Voilà, c'est en place. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chose promise, chose due. On va profiter ici que la bêta soit encore en ligne pour se refaire une petite session MK11. Je ne vais plus présenter vite fait MK comme j'ai pu le faire hier. Vous pourrez retrouver la vidéo d'hier sur prestart.be à la vôtre. On va diminuer un peu le son du GMU. Et on va se faire un mode arcade de chauffe. Et on va tester un autre perso. Je promets pas que ça va bien donner. Mais on va tenter l'affaire. Et donc du coup, on va une fois tester Jade. Alors, être compliqué. Boomerang affûté aérien, boomerang affûté ascendant. Étincelle. Bon avec poteau. Force divine. Vent évanescent, assassin mortel. Eh ben, on va tester cette variante-là. On va voir ce que donne le perso. Et on commence par un mirror match. Nous avons donc ici nos coups spéciaux. Boomerang affûté, arrière-avant. Vent évanescent, d'accord. Tentation, papillon mortel. On va voir un petit peu tout ça en jeu. Round 1, fight. D'accord, donc ça, ça part pas tout de suite. D'abord, ça fait le tour du perso. En même temps, c'est une IA, c'est pas bien compliqué. Donc, le boomerang, le vent. Vent, c'est bas arrière. Ah, bas avant rond. Bas avant rond, on va tester. Ok, c'est pas mal. On constate la disparition de la course, on a juste des dashs comme dans MK9. Et on va voir ça. Fatality. Arrière. On va passer de l'autre côté et on va aller voir la manip. Bas, bas, avant, bas, rond. Fatality. Sympathique. D'accord, je viens de comprendre pourquoi ma jauge elle est tout en haut, hein. Ça reset les stats à chaque fois que tu lances la bêta. Ça fait que les mecs hier qui étaient rang 6, ils ponçaient depuis un petit moment. Round 1, fight. Et alors on a
Rien avant. Sa balayette fait deux touches à la guide. Ils vont bien mettre le schnapps comme avec celle de guide aussi. Round 2, fight. On va dire que le perso est pas mal, mais je ne vois pas le jouer. Et sur notre fatality, ça dit quoi? Arrière, avant, bas, avant, carré. C'est minouche. On va finir ce mode arcade avec Jade et puis on va aller se taper en ligne avec mon scorpion du pif. Ça c'est fait tableau. Round 2, fight. Ça va pas mal comme derrière, hein. C'est quand même sympa d'avoir mis un mode arcade dans la bêta. Ah, scorpion! Ok, ça fait un overhead direct.
Oh là là, ce combo. Ah, elle a un compte, c'est bien ça. C'est arrière avant, je sais faire un vrai ado, moi, comme un sac. Ça peut tuer. Et la chope qui passe. C'est quand on veut la jouer trop safe. Round 2, fight! Un coup de Jeep Renegade! Oh putain, il y a moyen de le combo derrière Overhead. On va essayer. Eh, hey, c'est pas mal comme petite phase. Ce qui est pas mal, c'est que son boomerang il y tourne autour quand elle le lance, donc il y a moyen de zoner un petit peu avec, à mon avis. Ah bah oui, complètement. Par contre, il faut vraiment être safe en distance. Ah bah c'était pas ça. Ce qui permet de voir l'écran de la pause de victoire, qui est sympa aussi. Et enfin, Baraka. En fait, le mini mode arcade, c'est vraiment bim, tu affrontes les 5 persos de la bêta. Oh, oh, là ça punit pas le hop, mais. Wow, ça fait tout l'écran quasiment. Ah, les animations sont stylées quand même. Ah, il me l'a puni. Comme ça, on voit le fatal blow. C'était complètement inutile de le lâcher maintenant, mais... Round 2, fight. On va finir.
faire ma petite fatality. Fatality. Jade wins. Merci de votre participation, mais avec plaisir. Le 23 avril, ça se rapproche. Allez hop, on va voir un petit peu si mon scorpion est toujours autant au pif qu'hier. Étant donné que je n'ai plus dosé après la session. Special Forces Desert Command. Ah non, le ranking est gardé en ligne en fait. Round 1, fight. Le fatal bloc qui touche, mais c'est pas encore perdu. Un 0, acceptera-t-il la revanche? Fatality. Scorpion wins. Et non, ça rage quitte. Je trouve un bon petit pressing là quand même, j'avoue.
C'est parti! Scorpion, Cabal. Shang Tsung's Island Ruins. Elle est toute rétro cette skin pour Scorpion. Complètement combo. Et ça, c'est complètement la mort. Bon, ben voilà, une mécanique de comeback et deux rounds à remonter. Brutality pour finir. Par ici la colonne. Espérons qu'il accepte la revanche. Oh là 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 là, mais les gars, et le 2, et le FT2, il est où là? Quand je me fais bourrer, je fais la revanche, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, on est là pour la dose. Special Forces Desert Command. Oh!
fight. Et c'est la win, et je vous parie tout ce que vous voulez que ça ne va pas demander la revanche. Ça a carrément rejeté le Gemu, même pas que la cesse. Et pas loin d'une cinquantaine de matchs joués quand même sur la bêta, c'est cool. Scorpion, Jade, Cabal. Là, ça valait bien la peine d'attendre si c'est pour au final aller sur celle que j'avais choisie, trou de balle. Ça pique dès que ça l'a. Complètement juggle sur le bounce. J'aurais dû essayer d'utiliser mon ultra. Fight!
suffisait d'être patient. Et ça rematch ? Aïe, j'aurais dû m'en douter. Là, c'était serré. J'ai tellement voulu placer la brutality. Ça gagne et ça livre. Mais enfin, c'est quoi cette mentalité? C'est vrai qu'on voit qu'MK c'est un jeu qui accueille beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas spécialement
la joie et les codes du versus. Putain, le mec il a joué pas loin de 500 matchs. On voit ce qu'il a fait de son week-end. Hein. Eh ben, j'annonce dernier adversaire du stream. Scorpion, come on. Shang Tsung's Island Ruins. Ça change vraiment toute la donne de n'avoir plus qu'un seul X-ray par match. Là ici ça m'a permis de revenir dans le round et de remporter le set. Et c'est la win! Fatality. Si le rematch ça continue, s'il quitte, on se quittera également. Merci à ceux qui ont suivi les deux streams. Ah, ça veut la revanche, c'est beau ça! Thank you.
J'aurais dû faire la version safe. Je sais même pas si c'est safe en fait. Ah là 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 là, bien joué, petite fatality. Il essaye apparemment. Rematch. Cette punition, bien sûr. Et bim, encore cet enroule de l'eau. Je l'aime bien celle-là de Fatality. Fatality. Cabal wins. Oh là 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 là, j'ai piffé comme un sale.
2, fight! Fatality. Scorpion wins. Et ça continue. Bien joué. Round 2. Fight. Bien joué. Allez, dernier match. Après que j'aie gagné ou que j'aie perdu, le stream s'arrêtera. Merci encore de l'avoir suivi. On va essayer de partir la tête haute. Mais je me fais punir, mais systématiquement, faut arrêter ça. Thank you.
se craquer. Round 2. Fight. With finish. Finish him. Et voilà. C'est sur cette belle petite remontée en apprenant de ses erreurs que le stream s'achève. Merci à ceux qui l'ont suivi. Merci à ceux qui auront également regardé la VOD. Désolé si ça n'a pas été très très commenté, mais j'essayais de me concentrer sur le jeu. Et bah voilà, on découvre ainsi un nouveau Mortal qui est, ma foi, plutôt bon. Et donc, j'ai essayé d'animer ça du mieux possible. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur Prestart.